Pendant plus d'une heure, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a visité le salon de l'architecture et du bâtiment, où 200 entreprises spécialisées exposent sur un espace de 2200 m². Plusieurs exposants talentueux et chanceux ont reçu la visite de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui a admiré leur dernière création avant de se faire expliquer les nouveaux concepts architecturaux et les nouveaux designs. J'ai été particulièrement impressionnée. Et vraiment, je voulais féliciter tout d'abord les organisateurs. Ils ont fait du très très bon travail et aussi encourager tous les exposants qui sont là, qui nous ont montré leur savoir-faire. J'encourage vraiment tout le monde à venir voir parce qu'on peut améliorer sa maison, son appartement avec de très petites choses, de petites astuces. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Les industriels du bâtiment et les constructeurs sont également présents à ce salon. Tous ces professionnels ont un seul objectif, permettre aux Ivoiriens d'habiter plus dense, plus contemporain, plus écologique et plus collectif. Pour cette visite guidée, la première dame était accompagnée du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi, et du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Sanogo Mamadou. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2013 de Archibat. Le salon est ouvert jusqu'à samedi.